Le Daily Mail a révélé que le prince Andrew York et Sarah Ferguson pourraient faire pression sur la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le prince Andrew York et Sarah Ferguson veulent redorer l'image du duc d'York afin de faciliter sa reprise des fonctions royales. Elizabeth II d'Angleterre serait donc la seule voie de retour du prince Andrew York. Outre le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 41 ans, le prince Andrew York est également une figure que la royauté britannique ne veut aucunement voir au devant de la scène. Cependant, le prince Andrew, 62 ans, fait de nombreux efforts afin d'entrer à nouveau dans les bonnes grâces de Sa Majesté, la reine Elizabeth II d'Angleterre, 96 ans. D'ailleurs, le duc d'York avait déjà effectué de multiples visites auprès d'Elizabeth II d'Angleterre dans le cadre de son jubilé de platine, en juin dernier. Le 5 juillet dernier, le Daily Mail a expliqué que le duc d'York et Sarah Ferguson pourraient faire pression sur la reine Elizabeth II d'Angleterre. Assurément une énième tentative pour redorer son image auprès de la reine Elizabeth II. Notons que la monarque britannique passe actuellement son premier week-end à Balmoral, rapporte le média. La mère du prince Charles, prince de Galles, serait même en attente de l'arrivée de son fils, le prince Andrew York et de son ex-épouse, Sarah Ferguson, 62 ans, toujours selon le Daily Mail. L'année dernière, l'ancien couple royal était les visiteurs les plus fréquents de la reine Elizabeth. Sarah Ferguson aurait d'ailleurs profité de l'absence du prince Philippe, selon Daily Mail. Le duc d'Édimbourg, rarement rancunier, aurait fait abstraction de sa légendaire gentillesse pour bannir son ex-belle-fille. Elizabeth II d'Angleterre, la seule voie de rédemption pour le prince Andrew York. Le Daily Mail souligne le fait que le frère du prince Charles et son ex-femme, Sarah Ferguson, sont prêts à faire pression sur la reine afin de réhabiliter le prince Andrew York. Ceci afin de faciliter au mieux sa reprise des fonctions royales, et cela à plein temps. Étant le fils préféré de la reine Elizabeth II d'Angleterre, le prince Andrew a pleinement conscience qu'il doit agir avant que le prince Charles n'accède au trône. La reine Elizabeth II, 96 ans, serait donc sa seule voie de retour, selon le média.